Salut les amis, salut tout le monde et une fois de plus, bienvenue sur vos prochains préférés Afrique TV. Aujourd'hui, on s'étape une nouvelle partie d'information, plus précisément du côté de la Guinée-Bissau, où nous avons des tirs échangés après la libération par la garde nationale de deux ministres. Et bien les amis, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton rouge situé en bas de votre petit écran pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification dans le principal but de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti après le petit générique. Bon visionnage. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Les éléments de la garde nationale ont libéré dans la nuit du jeudi à vendredi deux membres du gouvernement de Guinée-Bissau qui se trouvaient en garde à vue. Des échanges de coups de feu ont ensuite eu lieu avec les forces spéciales selon les sources militaires et du renseignement. Des soldats de la garde nationale de Guinée ont libéré dans la nuit du jeudi 30 novembre à vendredi 1er décembre 2023 deux membres du gouvernement qui étaient interrogés par la police avant d'échanger des coups de feu avec les forces spéciales selon des sources militaires et du renseignement. Le ministre économique et des finances Souleymane Seydi et le secrétaire d'état du trésor public Antonio Monteiro avait été convoqué jeudi matin par la justice puis placé en garde à vue. La police judiciaire a interrogé les deux hautes responsables plusieurs heures durant sur le retrait d'une somme de 10 millions de dollars dans la caisse de l'État. Selon la même source, s'exprimant sous les sceaux de l'anonymat pour des raisons de sécurité, Souleymane Seydi avait été interpellé lundi par des députés sur ses retraits lors d'une séance à l'ambassade nationale. Il avait affirmé que ce retrait était légal et destiné à soutenir le secteur privé national. Toujours selon la même source, jeudi vers 22h, heure locale et GMT, des éléments de la garde nationale, une unité de l'armée ont exfiltré des ministres et le secrétaire d'État des locales de la police judiciaire. Les ont conduits vers une destination inconnue, puis se sont recrachés dans une caserne située dans le quartier de Santa Lucia, on affirme les mêmes sources. Des tirs nourris ont ensuite été entendus vendredi matin dans ce quartier situé dans le sud de la capitale Bissau selon le correspondant de l'AFP. Les sources militaires et du renseignement ont indiqué que les forces spéciales sont intervenues contre la garde nationale après plusieurs tentatives de médiation infructueuses. Il s'en est suivi un échange de tirs avant que le calme ne revienne, a-t-elle ajouté dans ce communiqué. Des éléments des forces d'appui pour la stabilité à la Guinée-Bissau, déployés dans le pays par, par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, ont été vus vendredi matin en patrouille dans les rues de Bissau, a constaté un journaliste à l'AFP. Ces éléments suivis alors que le président Umaru Sissoko Ambalo, élu en décembre 2019 pour 5 ans, se trouvait à Dubaï pour des raisons à la 28e conférence des Nations Unies sur le climat, abrégé COP28. Petit pays pauvre d'Afrique de l'Ouest à Guinée-Bissau, souffre d'une intense politique chronique et a été victime depuis son indépendance du Portugal en 1974 d'une kyrielle de coups de force et dernier en février 2022. En septembre, le président Ambalo avait nommé deux généraux, Thomas Diassi et Horta Inta, respectivement chef de la sécurité présidentielle et chef d'état-major particulier du président de la République. Ces deux postes dans l'organisation officielle n'étaient plus pourvus depuis plusieurs décennies. Ce renforcement de la sécurité présidentielle est intervenu alors que le coup d'État ou tentative de multiplier en Afrique de l'Ouest, notamment
au Gabon, au Niger, au Mali, au Burkina Faso, en Guinée et sept encore en Sierra Leone. Eh bien, les amis, c'est tout ce qui est abonné aux petites notes informatives. Car si vous avez trouvé la vidéo intéressante, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton rouge situé en bas de votre petit écran pour vous abonner à la chaîne. C'est pas encore fait. Activez la cloche de notification dans le principal but de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et à très bientôt pour une nouvelle partie d'information. À très bientôt, les amis. Bye bye.